Nous voulons dire haut et fort que Wumbi n'est ni un délinquant, ni un cybercriminel. Son seul crime est sa pugnacité à mettre en exergue les dérives d'un régime finissant. Que nos poètes le louent à travers leurs verbes. Que nos chansonniers chantent son courage, sa probité, que la jeunesse redouble d'imagination pour immortaliser ce terreau. Nous avons appris qu'il sera présenté demain, lundi 19 août 2024, à la Criette. Nous demandons à tout le peuple de converger vers la Criette, 6 à Ganquito, à l'ancien bâtiment de la Cour suprême, afin de témoigner de notre soutien à ce terreau que le régime veut liquider. Aucune psychose, aucune intimidation, aucun terrorisme d'État ne saurait empêcher notre peuple à conduire ce régime finissant à finir effectivement. Que le peuple béninois, comme un seul homme, se mobilise pour condamner son kidnapping, exiger sa libération immédiate, sans condition, et le respect de ses droits.